rocking the shoe shine. C'est bien parti, tous les joueurs sont là, il y a une petite pufude mais qui n'est pas gênante a priori pour jouer aux boules. Donc je pense que ça a bien débuté et on va encore assister à un joli concours, on peut annoncer deux joueurs je pense. On a gagné la première partie contre Fabien Hamard, Danny Montelt. On a gagné plus facilement qu'on pouvait le penser au départ. On a su, je pense, s'adapter aux conditions climatiques un peu particulières. C'est un peu dommage, c'est un peu humide. J'espère qu'on va passer à travers les gouttes et que l'édition va pouvoir se dérouler convenablement. Yeah.
J'ai très bien débuté, et puis après avec la pluie, j'ai moins bien tiré, mais on s'en est sorti quand même, grâce à Alain qui a tenu le choc. Ah bon, on va essayer la victoire finale parce que c'est un gros concours et ça fait plaisir de gagner. Hein. Ouais, plus difficile, les conditions ont quand même faussé la partie nettement. Ça nous a peut-être pas permis de revenir, c'est sûr, mais c'était un jour, peut-être donné un jour. On est leader, donc c'est quand même pas facile. J'avais préféré être dans la position de l'année dernière, de ne pas être leader. Donc là, on est attendu sur le plateau, donc il va falloir à nous de prouver qu'on est encore là et faire de bons résultats. On n'est pas venu là pour faire de la figuration, hein. On est venu là pour défendre notre titre. Donc on va prendre les parties une par une et puis on verra bien comment ça se passe. La deuxième partie, on a manqué des boules de rajout, en sortie on perd 10 à 9 alors qu'il tape le but sur un peu de, sur des jeux un peu détrempés avec l'eau et un bonheur tombé sur le but, mais bon. Et Alain Fréchet dans la partie on a eu un peu de chance avec des becs et tout et t'as vu le bonheur taper le but pour gagner, voilà, bravo à eux. Mais déçu, voilà. Déçu. Ok. Voilà. Merci à vous. À l'année prochaine quand même. Merci. Yeah.
début de partie. Well, I'm just a modern guy. Of course, I've had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, I lost for long. Tirage au sort assuré par monsieur Jean-Jacques Potier. Léon Benoît, Laurent Béraud. Début de la deuxième main. Voilà donc maintenant on passe à la tribune qui est un petit peu long. Un petit peu long. Bien tiré. Ils sont en train de choisir un petit peu la tactique à adopter. Superbement bien joué, c'est cool.
aller juste sur tous les fois. C'est bien joué encore. Et voilà, c'est fait. Hein. Yeah, hein. Ça fait 3, ça fait 8-8. 8-8. Joueur, c'est logique, comme il a tiré jusque-là, ça aurait été malheureux pour lui qu'il le tape. Simplement, la deuxième tenait toujours, elle reste là, et c'est gagné. C'est gagné pour Patrick Alcaraz, qui remporte la cinquième édition du trophée Émile Terrier sur le score de 11 à 8. Patrick, une première victoire. Ouais. Dans cette première avec une première participation, on est heureux, non? Ah ben bien sûr, hein. Ça sera bien de faire mieux la prochaine fois. Ouais. Comment ça s'est passé cette finale? Le temps, est-ce que ça a joué, le vent, le froid? Ouais, c'est pas facile, ouais. Mais bon, ça fait, je trouve, une belle partie quand même, quoi. Vu les conditions, c'était pas mal, ouais. Il y a eu des trous, mais bon, voilà, quoi, hein, ça arrive. Ouais. Donc, il faudra revenir l'année prochaine, ouais. Remettre son titre en jeu, ici, pour la sixième. C'est un bon concours. Ah ouais, il y a du bon monde, ouais. Ouais. Ah ouais, non, c'est agréable. Dommage que le temps n'était pas avec nous, mais sinon, je trouve qu'il y a des belles parties, ouais. C'est agréable. Ok, on va appeler Fred aussi, Fred. Fred, lui, c'est pas la première fois qu'il vient sur ce trophée Émile Terrier. Fred, oui. Première victoire en tout cas. Première victoire, oui. Et avec quelqu'un de Saint-Vulbas, ça veut dire quelque chose? Quand on sait la bagarre qu'il y a entre Saint-Vulbas et Lacro-Lyon tout au long de l'année. Ça prouve que finalement, on se bat tout au long de l'année, puis on peut très bien jouer ensemble, et que ça peut très bien se passer, puisqu'on a gagné aujourd'hui. Donc, voilà. Heureux?
Bah, toujours heureux. Pourquoi on ne serait pas heureux de gagner un concours, surtout comme le Émile Terrier, avec le plateau qu'il y a tous les ans. Moi, je suis très content d'avoir gagné. C'est comme un beurrier pour moi. Alors, en face, il y avait Xavier Majorel de la Croléon. Comment ça se passe quand on joue contre un partenaire comme ça, un copain en plus? Ah, là, il n'y a plus de copains. Surtout une finale comme ça de l'Émile Terrier. On se rappelle toujours du vainqueur. Hein, on se rappelle un peu moins des finalistes. Donc, non, il n'y a plus de copains, mais ça s'est très bien passé. Après, il n'y a pas d'embrouille sur le terrain. Voilà, la différence, elle est là. Non, ça s'est très bien passé. Et puis voilà. Deuxième finale, deuxième défaite. Deuxième échec, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est une partie qui se passe pas grand-chose. On a une passe où, surtout en début de partie, là où je suis parti tirer leurs deux boules. Si j'ai moyen de taper les deux, c'est trois points dans la main. Ça s'est pas très bien passé. Il y en a une qui est montée dans le but. Je fais le trou après pour la marque. Et j'enchaîne après avec une main à trois trous, dont un trou sur le but. On se retrouve à 2-5 alors que le score peut bien traverser. Mais bon, après, je pense que ça a joué quand même à un niveau très correct compte tenu des conditions. Et Patrick Alcaraz a fait une sacrée moyenne de tir et surtout en défense au but a été très bon. Donc je pense que logiquement, on s'est incliné. Donc 5 participations. Deux finales perdues. Est-ce qu'on reverra Thierry Dubut et Xavier Majorel pour la 6e? Ben oui, on dit jamais 203, donc il faudra bien qu'on essaye quand même un jour de gagner. Mais bon, c'est comme j'avais dit en début, hein, c'est très aléatoire vu le plateau qui est réuni à chaque fois. Je sais pas, on va persévérer. That you understand.